Bonjour à tous ceux qui suivent mes aventures avec les chroniques de Gwendoline à la Hôtel Fancy Rodil. Oh là là, c'est beau. De me dire avant de me barrer de la ville, est-ce que j'ai bien vendu tout ce que j'aurais pu potentiellement vendre? Intéressant. Je vais carrément en Skyrim là.
Alors, on reconnaît le rocher en forme de griffe. J'ai chaud pour le cheval.
j'ai trouvé le troisième endroit, la piste du serpent. Apparemment, il s'agit d'un passage souterrain. Il va falloir que je l'emprunte si je veux retrouver les ruines. C'est de l'efficacité. J'ai découvert le corps du messager qui a écrit le journal que j'ai en ma possession. Cela fait plus de 1000 ans qu'il est mort, mais le froid qui règne dans les grottes a préservé son squelette. J'ai l'impression qu'il sert quelque chose dans la main, il faut que j'aille voir ça de plus près. Découvert près du corps du messager une tablette portant les inscriptions à Caviri. Il doit s'agir des ordres mentionnés dans le journal.
quelle aventure! Je me suis fait balader.
Sorti de la piste du serpent, je me retrouve face au légendaire col clair. Un sentier descend le long de cette vallée enneigée. Si je le suis, il m'amènera directement aux ruines. Eh bien. Alors, j'ai découvert les ruines du fort de Colclair, autrefois imprenable. Il semble qu'il y ait été détruit par un glissement de terrain il y a très longtemps. Je devrais explorer ces ruines et chercher la pierre de folie. Alors, les ruines ont l'air de grouiller d'acaviris mort-vivant. Je ne sais pas depuis combien de temps ils y sont emprisonnés, mais la prudence s'impose. Il faut que je trouve le commandant acaviri du fort. Apparemment, c'est lui qui a la pierre de folie draconienne en sa possession. Eh ben, la quête est beaucoup plus relevée que je ne pensais. Je m'attendais à une petite promenade, mais non, j'étais loin du compte. La comtesse veut ma mort. Oh la vache. Ah, dur. J'ai fini encastré dans le décor. Tout va bien. Là, c'est pas madame la marquise, c'est madame la comtesse.
Ça, c'est bien bien géré. C'est cool. Oh, je me réveille.
je l'ai vachement bien géré. J'ai passé mon temps à l'esquiver. C'était l'idéal. Clairement, je l'ai très mal géré et je rentre dans le lard. C'est 20 duos, sinon il me zigouillait. Et par rapport au côté vachement rocheux, j'étais acculé comme on dit, comme un rat de laboratoire dans un angle de sa boîte. Là, je pouvais pas faire grand chose. Le rocher était escarpé, j'avais pas le moment que j'avais. Face au précédent ordre que j'ai pu esquiver avec beaucoup d'aisance.
a bien eu pour commencer ma cueillette et j'étais un cheveu d'y rester. Dur.
un autre qui monte les escaliers qui vient me patater la tronche. J'ai tout clairement ouvert une bestiole en bas. Enfin bon, bref, à l'étage inférieur. Je crois que cette quête va se dérouler en deux parties. Deuxième partie au prochain épisode. Très bien que j'y suis.